117, non pardon, ce n'est pas le Rue Lyonnais, c'est Razed Ghanem, Alexandre Pic, 14e, 16e et Tan, le meilleur temps, eh bien c'est Webster qui l'a réalisé en 56, 693. So our humorous produced quite a show. Ego the Wild is the winner of this one. It is a strong performance around the Le Mans track to beat Tyler Chesterton, who was also fast and pushing hard for the win, but is an eventual second. Tuur Stallemans from Belgium, who started from P5 and who is in P3. Alessandro Ceranetti, he started from P7 and he's up to fourth. Then Mario Mills, then Cooper Webster. Cooper Webster from Australia, number 136. He was starting from P4, so he's P5, which is not too bad. Mario Mills, number 119, the driver from the UK. Yeah, the British driver Mario Mills, who is in P6 ahead of Charles Wirtz and Jakob Matthias Oya and Harry Platten. And so we have Rens Van Pelt from Belgium in P10. So we have another pre-grid ready to go for the penultimate race of this afternoon before the driver presentation. Jean-Pierre, we have at 7 o'clock the driver presentation, la présentation des pilotes. Ça va être un grand moment dans ce meeting à ne pas louper sous aucun prétexte, la présentation des pilotes par nationalité. Jean-Pierre, qu'est-ce qui va se passer exactement tout à l'heure? Bien, tous les pilotes seront regroupés par nationalité, la France bien évidemment, qui accueille cette course sera en dernier. Avec une petite surprise d'ailleurs, une petite surprise je crois. Ah, ah ben c'est une surprise. Je sais pas, si vous le dites. Vous verrez Jean-Pierre, vous serez surpris. Mais en tête, nous aurons l'Argentine. Tout à fait, car ça commence par un A et que nous n'avons pas de pilote albanais. Sinon il serait devant. Sûr. Et donc ensuite, qu'est-ce qui se passera de beau? Alors après, on appellera tous ces pilotes par leur nom, bien sûr. Voilà, tout à fait. Alors, je crois que du côté d'Olivier, on a fait les choses en bien, puisqu'en fait, il va y avoir une banderole au sol pour aligner les pilotes sur toute la longueur. Imaginez la longueur de la banderole. C'est ce qu'il m'a dit, hein, je vous rappelle ce qu'il m'a dit, et je le crois volontairement. Certainement, parce que Olivier, pour faire les choses bien, on peut lui faire confiance, il n'y a pas de souci. Donc là, eh ben, ils vont dérouler. Ah mais je pense que le succès est au rendez-vous pour Olivier et ses organisations, on le voit, il suffit d'ouvrir les yeux et de regarder ce magnifique paddock autour de ce magnifique, non moins magnifique circuit. Donc effectivement, the driver presentation will be a fantastic moment with a lot of joy, fun. We will be happy to be together with the drivers who will be gathered by nation, of course, and their names will be, we will say the names of all the drivers by nations on the microphone, and so that will be great. And there will be a surprise with the French drivers, but I can't tell you more. So the grid for the next race will be with Max Surlander and Oliver Hodgson on the first row, then Gillian Lay and Maxime Briand on the second row. So we will have also Hugo Ellis and Jordan Brown-Nutley on row 3, Paul Lussier and Vincent Marcerou on row 4, and Christopher Chani and Noah Loez on row 5. Voilà, on vient de nous signaler que la grille était prête, que tous les pilotes étaient donc présents. Ils sont au nombre de 31 donc en pré-grille, avec en première ligne Max Surlander, le 323, accompagné par Oliver Hodgson, le 314. En seconde ligne, Gillian Lay, le français, une ligne française d'ailleurs. Gillian Lay, 214 à la corde. À l'extérieur, Maxime Briand, le 372 de l'ACO. ASK ACO pour être plus précis. Hugo Ellis, le 303, et Jordan Brown-Nutley, le 230, sont en troisième ligne. En quatrième ligne, Paul Lussier, le 265, et Vincent Marcerou, le 250
T1. C'est donc une quatrième ligne entièrement française également. En cinquième ligne, Christopher Chani, le 236, et le 289, Noah Loez. En sixième ligne, Mathias Mia, le 334, Marc Litchfield, le 301 également sur cette ligne. La septième ligne, nous avons Romain Bonetto, le 238 à la corde, avec à l'extérieur un certain Anki Waldschmidt, le 274, qui a participé à ces 24 heures il y a quelques semaines avec la CRG Spa. En huitième ligne, Dario Stanko, le 354, Sami Saralinen, le 322, l'y accompagne. À la neuvième ligne, Tom Crodon, le 394, Gary Edwards également sur cette ligne, s'agissant du 287, Christopher Capello, le 221, la corde de la dixième ligne, l'extérieur est occupé par Callum Barnett, le 277, pilotes qui vraisemblablement vont faire leur entrée dans quelques instants lorsque du côté de la direction de course, on en donnera l'ordre, bien évidemment. A problem with Callum Barnett, I'm afraid number 277 stopped his cart in the two oak chicane. Malheureusement pour le 277 Callum Barnett, eh bien c'en est donc terminé. Ce Britannique du team Mike Barrett Racing qui évolue sur un châssis Tony Kart va faire comme nous, il va regarder ses petits camarades rouler dans cette dernière manche. Yeah, unfortunately for this driver, he will have to watch his fellow drivers start the race without his participation, I'm afraid. He's a driver from Douglas. He comes from the UK, of course. He's a member of the Mick Barrett Racing. He's 16 years old and raced kart for 7 years. So now we will pay attention, of course, to the drivers who will start the race. Featuring a Swede on pole and Oliver Hodge, who is Max Sjölander, and a Brit alongside Oliver Hodgson. So they accelerate now, full throttle, full gas, and they are going left. The direction is left, and then a little right-hander to head to another corner on the right. And Oliver Hodgson overtakes Sjölander. Hodgson leads Sjölander in this first lap. Voilà la situation, Jean-Pierre, c'est Hodgson et Sjölander. Hodgson, Sjölander et Gillian Ollet, qui est à la troisième position. Et le 303 Hugo Ellis, qui est à la quatrième. Déjà cinq pilotes qui ont créé un petit écart avec les autres concurrents. Un écart qui n'est pas très très important, mais qui doit déjà se situer quand même aux environs de la seconde.
c'est quand même important dans un départ, dans un premier tour. Alors que le leader, eh bien lui, hop là, une belle attaque de Gillian Ollet qui vient de prendre la seconde position à l'instant. Fin du premier tour avec Oliver Hodgson et avec une avance de 6 dixièmes sur Gillian Ollet en seconde position. Hugo Ellis a pris la troisième position. Quatrième, nous avons Max Sjölander. Eh bien non, ce n'est plus lui, c'est Paul Lussier qui occupe cette cinquième position. Cette quatrième position, Max Sjölander est juste derrière la cinquième position. Et puis derrière, nous avons notre petit Maxime. Maxime Briand de chez nous. Exactly, Jean-Pierre. There is a local driver who is shining in the top 10. So he's very happy. And in the lead, he's not a local driver. He's from the UK. It's Oliver Hodgson leading Gillian Ollet, the French driver, who is second after overtaking Hugo Ellis. It's Hugo Ellis who overtakes Gillian Ollet at the Technopark corner. So we have two Brits leading a French driver. And then it's a battle for P4 with probably Max Sjölander, who regained the fourth position. Yes, the Swede is back to a fourth position ahead of Paul Lussier et Vincent Marceau, who is the French champion in the Rotax Junior this year. Du changement concernant la seconde position qui a été prise par le Britannique Ellis Hugo au dépens du Français Gillian Ollet, le 214 qui est à la troisième position. Quatrième position pour Max Sjölander, le 323. Et puis derrière, il y a un groupe de 2, 4, 6, 7 pilotes avec dans ce groupe Vincent Marceau, Paul Lussier, Christopher Chani, Maxime Briand, Romain Bonneto. Et puis le Britannique Jordan Brown-Nutley qui était passé à la dixième position. Et du changement de leader. Changement de leader, toujours en Britannique, mais cette fois-ci, c'est Hugo Ellis, le 303, qui est dans cette preuve. Oh là 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 là, l'attaque de Gillian Ollet en bout de la ligne droite du chemin en bœuf dans le passage du virage de Technopark. Il a pris la seconde position. C'est Oliver Hodgson maintenant qui occupe cette troisième position. Yeah, Hugo Ellis is our new leader. He was third in the Euro Series this year after the races in Castelletto and Zuera. And Gillian Ollet up to second position after overtaking in a spectacular manner Oliver Hodgson. So Oliver is down to P3 and now under threat by Max Sjölander, the Swede, is threatening the Brit, and he wants to say hello, and I want to be P3. So then in the fifth position, it's a French, it's Vincent Marceau, the VDK racing driver, so he's pushing hard to try to improve his position. Look how he breaks later, makes the move at the banking. Vincent Marceau is in fourth position at the moment, so it's Ellis, Ollet, Hodgson, and Marceau. Toujours le Britannique Hugo Ellis qui est en première position avec, on va dire, 3-4 longueurs grand maximum sur Gillian Ollet, le 214, toujours la seconde position. Max Sjölander est toujours la troisième. Mais alors derrière, regardez, nous avons 2-4 pilotes français avec Vincent Marceau qui a pris la quatrième position au dépens de Sjölander. Et puis derrière Sjölander, nous avons Romain Bonneto, l'auteur du meilleur temps 56-959. Nous avons également Paul Lussier. Mathias Milla, le 334, est passé en 8e position, 9e position pour Christophe Chani. Top 10 terminé par le Britannique Jordan Brown-Nutley, le 230. Voilà, nouveau passage du banking qui en est le 5e. Toujours le Britannique Hugo Ellis qui est aux commandes devant le Français Gillian Ollet, suivi comme son ombre d'ailleurs par le Britannique Oliver Hodgson qui est toujours à la troisième position. Il va peut-être lui faire l'intérieur. Eh bien non, c'est le Français qui fait l'intérieur et qui prend les commandes. Well, Gillian Ollet rocketed ahead of Simon Ellis, but then lost the position and it's coming together with Vincent Marceau. The two French drivers have collided together in the paddock S's, I'm afraid. Terrible. Well, what a shame for the two French who lose dear in this in the process. Oh, too bad for the two French drivers. So, Ellis is in the lead, of course, and Gillian Ollet as well as Vincent Marceau have lost all their hopes in this corner. It's too bad, Jean-Pierre. Ah, what do you think? Une fessée. Ça change bien sûr la configuration de la course puisque nous avons maintenant deux Britanniques en deux premières positions. Et ce n'est plus Hugo Ellis qui est dans cette position de leader, c'est Oliver Hodgson, le 314, qui occupe cette position. Hugo Ellis est à la seconde position maintenant, toujours la troisième position pour Max Sjölander, qui est pas très loin derrière Hugo Ellis. Il est en troisième position. Nous avons Romain Bonneto, nous avons Paul Lussier, Mathias Milla,
Christopher Chenny. Et bien évidemment, l'absence maintenant dans la tête de la course pour nos deux pilotes français qui sont actuellement dans la ligne droite du chemin en bœuf, Vincent Marceroux et Gillian Lay, qui sont descendus dans les profondeurs du classement du fait de cet accrochage entre ces deux pilotes. Alors que là, nous allons assister à un regroupement, Roman, entre six pilotes dans ce groupe de tête. Yes, once again, a new leader, Oliver Hodgson, leading Hugo Ellis in second position, Max Jolander in third. Then we have Romain Bonnetto, who is now the new French, best French in this race. And Mathias Mila is in P5. Et moi, je danse le Mia. Et puis, en sixième position, c'est Paul Loussier, un autre Français. Pourquoi je parle français tout d'un coup comme ça? Ah bah oui, c'est parce que je danse le Mia. In P5, it's the Argentinian Mathias Mila. And then Paul Loussier from France in P6. And Jordan, Brown Nutley in P7 ahead of Gary Edwards. It's Christopher Chenny and Noah Loez. That's the top 10 at the moment. But we will have a lot more changes because there are four laps before this race finishes. And look, we have Hugo Ellis who wants to win this one and who is now our new leader, Ellis and Hodgson. Hugo Ellis qui a pris la position de leader juste dans l'entrée de la courbe du module le 24 aux dépens de Oliver Hodgson. Ce sont toujours donc deux pilotes britanniques qui sont aux deux premières en position. La troisième position pour le 323, toujours Max Jolander. Romain Bonnetto est toujours à la quatrième position. Derrière Romain, nous avons Mathias Mila, qui est l'auteur du meilleur temps en 56-568. Mathias Mila, qui est à la cinquième position. Sixième, Paul Loussier, qui est un petit peu en retrait de ce groupe qui est devant lui. Est-ce que Paul Loussier va pouvoir revenir? Il lui restera trois tours lorsque ces pilotes vont passer de nouveau dans quelques instants devant le tour de chronométrage. Toujours donc dans le même ordre, Hugo Ellis devant Oliver Hodgson, alors que derrière, ça bagarre. Oh yes, il y a eu d'ailleurs un changement, je crois, pour la troisième place, mais c'est redevenu, ça s'est rechangé. Romain Bonnetto était passé devant Max Jolander, et puis finalement, Max Jolander l'a repris. Et bien, Mathias Mila en a proposé pour passer également. Quelle histoire! Mais si on vous racontait tous les déplacements qui se passent sur ce circuit, on n'en sortirait pas, Jean-Pierre. On n'aurait pas assez de salive, pas assez de mots, pas assez de temps, simplement. Ah oui, c'est compliqué, hein. Comme on dit, de nos jours, c'est compliqué. Quand on ne sait pas comment définir les choses, on dit que c'est compliqué, mais, c'est plus facile, comme ça, c'est moins compliqué. Je regarde également le duo de poursuivants, là, avec Gary Edwards et Jordan Brown Nutley, l'Irlandais. Et puis, regardez, c'est un coup à toi, un coup à moi. Ils sont dans la ligne droite du chemin en bœuf actuellement. Ils sont les occupants des 7e et 8e positions, alors que là, dans le groupe de tête. Oh, les deux Anglais. The two British drivers side by side in the paddock SS. So it's now Oliver Hodgson. So now with two laps to go, Oliver Hodgson fighting against Hugo Ellis in the main straight. They are side by side again, and this time Ellis, il a dû mettre les hélices en route. Ellis is leading now Oliver Hodgson home, but for how long? How long is Oliver Hodgson going to stay in second position? And a change also for a third. Look at the Argentinian driver, Mathias Mila, up to third ahead of Max Jolander from Sweden. It's incredible, and these two drivers have closed the gap to the two leaders. So we have a leading pack of four drivers now, with the two Brits, with Ellis in front of Hodgson, and with Mia from Argentina ahead of Max Jolander from Sweden. What a race! What a race! And more overtaking maneuver there. It's Mathias Mila in second position now ahead of Hodgson. Voilà donc toujours Hugo Ellis qui est en première position, mais l'excellente prestation de l'Argentin Mathias Mila qui vient de passer en seconde position. C'est toujours d'actualité. La troisième position, eh bien, elle est occupée par le 314. Si Oliver Hodgson, oh là là, Mathias Mila qui est allé faire un petit tour sur la pelouse, ce qui modifie bien sûr la configuration de la course. Toujours Hugo Ellis qui est aux commandes. Oliver Hodgson, le 314, est à la seconde position. Troisième position toujours pour Solander. Solander en seconde position, pardon. There was a contact, il y a eu un contact entre Hodgson et Mia. Et bah, du coup, Solander en a profité. So mais il a eu raison. Hein. Bah oui, bah, moi, on en aurait fait autant. Hein. Moi en tout cas, oui. Vous, bah, moi aussi. D'accord, okay. Bah, bien sûr. So Ellis is in the lead and Mia is down to P4 after Hodgson knocked on the door and said hello on to
go. I want to go first, but it's Yolander who took advantage for the second position, and now they go across the finish line, and we have a victory for Hugo Ellis with a second place for the pole sitter Max Yolander, and a third for Oliver Hodgson with Romain Bonneteau is an eventual fourth. It's Paul Lussier in fifth, Gary Edwards up to P6 with Jordan Brand Nutley 7th. Unfortunately for the Argentinian Matias Milau, he's down to P8, but he can save a decent result in this race with Mark Litchfield in 9th and Tom Crichton in P10 with the fastest lap for Gary Edwards. Victoire du Britannique Hugo.